Je l'ai acheté. C'est un appart qui est très chouette parce qu'il y a une vraie unité. Mais il est un petit peu sombre et moi j'adore les couleurs, donc c'est vrai que j'ai rajouté un peu des touches de couleurs comme je pouvais en achetant par exemple ces toiles pour pas abîmer le canapé entre autres, et pour mettre un peu de couleur dans la pièce. Et toutes les plantes aussi. Le vert c'est ma couleur préférée, donc vraiment je trouve que des plantes dans un appartement, c'est avec la lumière, c'est vraiment très frais et que ça ramène de la fraîcheur, de la lumière, de la couleur. Donc j'ai rajouté des plantes partout où je pouvais. Alors cette robe, je l'ai achetée chez Overstory dans le Marais en solde, parce que j'achète quasi toujours en solde. Ces chaussures, pareil, je les ai achetées en solde l'année dernière chez Minelli, pareil dans le Marais, quasi le même jour je crois. Ces bijoux, ce sont des bijoux que j'ai faits, qui font partie de ma collection. Et ça, c'est une montre Louis Pion que j'ai depuis très très longtemps. Alors, je ne cherche pas vraiment à me créer un style, je porte des vêtements que j'aime. 90%, peut-être 80% de ma garde-robe sont des choses que je chine en fait. Je m'habille avec du vintage depuis que j'ai 15 ans. Avant, j'allais chez Emmaüs, Guérisol, dans des boutiques, mais maintenant il n'y a plus grand chose, donc je vais sur Etsy et j'achète des choses sur Etsy. Récemment j'ai découvert Vinted aussi, alors c'est plutôt des choses contemporaines, mais c'est vrai que ça permet d'acheter des choses à petit prix. Donc voilà, c'est un mix de choses que je trouve sur Vinted ou des fripes. J'aime pas acheter mes vêtements trop chers en général. Vraiment, je peux aller, pour un coup de cœur exceptionnellement, je peux aller jusqu'à 150-200, mais vraiment c'est rare en général. Surtout les fripes, ça coûte pas très cher. Mais si vraiment j'étais prête à dépenser beaucoup d'argent dans un vêtement, je pense que j'achèterais des robes de Madame Gray. C'est des robes anciennes, donc qui se trouvent dans les ventes aux enchères, qui sont absolument magnifiques, drapées. Donc c'est vraiment le luxe que je m'offrirais, ce serait du Madame Gray. Alors le maquillage que je porte le plus souvent, c'est l'eyeliner, parce que j'ai l'habitude, j'en mets très rapidement. Donc là, j'ai trouvé cet eyeliner juste à côté de chez moi. C'est une marque bio qui ne tient pas autant que je voudrais, mais voilà, je suis toujours à la recherche de l'eyeliner qui sera bio, qui tiendra toute la journée. Alors, je fais aussi les sourcils très souvent. Je trouve ça très joli d'avoir des sourcils bien dessinés et assez foncés. Donc là, c'est une petite pommade que j'ai trouvée dans une boutique ayurvédique qui se trouve Passage Brady. Donc voilà, je trouve que le packaging n'est pas très glamour, mais bon, ça a le mérite d'être efficace. Alors ça, c'est quelque chose que j'applique après avoir après avoir coloré mes sourcils. J'ai trouvé ça sur Internet, je suis toujours à la recherche de petites marques sur Internet. C'est un fixateur à sourcils à base d'aloe vera, donc c'est complètement naturel. Et ça fixe en effet pas trop mal les sourcils et ça a l'air pas trop nocif, donc comme j'en mets tous les jours. Voilà. Je trouve ça très bien d'avoir acheté ce produit qui est bio. Alors j'adore ce quartier, c'est très agréable, le canal Fex est très aéré, même s'il y a beaucoup de monde, il y a quand même de l'espace. Parfois j'aime poser avec un thé ou une tisane que je fais ici au bord du canal et ma voisine avec qui je m'entends très bien, ou au parc qui est juste à côté. Sinon je vais quasi tous les matins prendre un café dès que je me suis habillée. Donc je vais à l'Atmosphère parce que c'est un bar qui est en coin, qui est devant le canal et qui est orienté plein sud, donc il y a du soleil tout le temps. Alors j'adore ce quartier. Ce que j'aime dans ce quartier, c'est la présence du canal qui fait que c'est très aéré même s'il y a beaucoup de monde. C'est assez vert. Voilà cet espace et le parc qui est à côté, Parc Villemain, qui est très joli, qui est vraiment très très joli. Donc c'est un endroit qui est aéré, qui est très ensoleillé, il y a beaucoup d'espace et j'adore. Thank you.